Bonjour à tous, je fais cette vidéo en réaction à la vidéo qu'a postée François Dalle de la SICAVAC il y a 2 jours maintenant. Apparemment, il a besoin de réponses sur les raisons pour lesquelles on a fait évoluer un peu nos pratiques. Je tiendrai déjà juste à rappeler qu'on a la même volonté de proposer des techniques de taille qui améliorent la durabilité des plantes et que, architecte du vivant, ce qu'on cherche à faire, c'est à construire effectivement des itinéraires qui permettent d'améliorer cette durabilité, mais aussi leur capacité de résilience et leur productivité. Donc effectivement, on a les mêmes objectifs et ça doit être rappelé dès le début. L'intérêt, c'est le viticulteur, quoi, hein. Le viticulteur doit améliorer ses connaissances pour pouvoir faire des choix. C'est pas forcément évident, hein, de faire ses choix, mais avec tout ce qu'on raconte, mais en fait, vous devez vous servir de ce que chacun d'entre nous dit pour construire vos propres itinéraires. J'ai moi-même enseigné à la taille Guyot-Poussard pendant 4 ou 5 ans et effectivement, au bout d'un moment, j'en suis venu à me dire qu'il fallait que je fasse évoluer cette manière-là de voir et c'est par des rencontres avec des viticulteurs, des lectures et aussi énormément de dissections et d'interprétations que je me suis mis à essayer de proposer une petite évolution ou quelques évolutions qui aujourd'hui semblent poser problème dans leur compréhension à certaines personnes. Donc nos formations, elles sont sur 3-4 jours. Alors forcément, effectivement, c'est pas évident de comme ça sur des petites conférences de voir et de comprendre ce qu'on a à raconter. Aujourd'hui, notre formation, c'est une journée entière de e-learning, de préparation où on parle de physiologie, d'écophysiologie, de morphologie, de phénologie d'abord pour essayer d'avoir une connaissance de base suffisante pour pouvoir suivre les 2 jours en présentiel avec une journée où on reprend tous les concepts physiologiques et écologiques, où on commence à voir et à comprendre l'impact des plaies sur la plante, et puis une deuxième journée en présentiel où on échafaude des stratégies de taille pour essayer d'améliorer tout type de taille et essayer d'appliquer ce que l'on a compris à tout type de taille. La taille, j'aime à le rappeler que c'est quand même une manière d'adapter une plante à la culture, à sa culture. Et cette plante-là, qui est une liane, c'est une plante bien particulière qu'il faut adapter à une culture qui l'empêche de s'allonger. Et forcément, ça crée des problèmes. La taille, c'est une somme d'exactions qui sont faites annuellement sur la plante. Et cette somme d'exactions, en fait, elles sont plus ou moins impactantes. Et donc savoir si quelle est la manière la meilleure de tailler, bon, c'est OK, ça semble important, mais ce qui est le plus important, c'est d'abord de comprendre quels sont les impacts des différentes pratiques sur la plante. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les faire, mais on peut au moins les faire en conscience. Si on doit faire des grosses plaies de réduction, on les fait en conscience de l'impact que ça a et on les fait en connaissance de la manière de les faire pour qu'elles soient le moins mutilantes possible. Allez, allons-y, je vais essayer de répondre un peu. Alors c'est très compliqué parce que forcément, j'ai beaucoup de choses à expliquer avant que ça puisse prendre du sens. Donc je vais essayer d'être rapide. Si jamais vous avez un petit problème de compréhension, ben, regardez un peu les vidéos qu'on fait, venez en formation, posez-nous des questions et on essaiera de répondre de la façon la plus claire possible. La plante, cette plante-là, donc c'est un système vasculaire, c'est comme une mèche. En fait, elle est en lien entre, c'est un lien entre le sol et son environnement. Et l'énergie, elle est avant tout produite par les feuilles grâce à l'énergie lumineuse du soleil. C'est l'énergie du solaire qui est récupérée et elle est récupérée et stockée grâce à la photosynthèse. En fait, c'est les 3 atomes qu'il y a dans l'atmosphère qui viennent se construire et construire la plante. L'azote, le dioxyde de carbone et l'oxygène. Elle a besoin de ces éléments-là et elle est construite de ces éléments-là. Donc c'est ce qui fait qu'on a commencé à penser, nous, un peu depuis quelques années, la plante un peu plus du haut vers le bas que du bas vers le haut, en fait. On voit que les agriculteurs ou les viticulteurs ont tendance à vraiment penser la plante du bas vers le haut, y compris d'ailleurs, moi j'ai pensé ça aussi très, très, très tôt et pendant un bon moment en pensant que effectivement les plantes, elles se construisaient du bas vers le haut et que les flux de sève, c'était quelque chose qui était forcément montant.
Alors qu'il y a deux flux de sève dans la plante, il y a bien un flux de sève brut, c'est de l'eau et des sels minéraux qui vient hydrater la plante avec l'eau et stimuler les processus biologiques avec les minéraux. Et puis des feuilles qui produisent cette fameuse sève élaborée, qui sont des sucres qui vont descendre dans la plante et nourrir toutes les parties en croissance de la plante. Les méristèmes qui permettent à la plante d'explorer l'espace et les méristèmes primaires et les méristèmes secondaires, le méristème secondaire qui est le cambium qui permet de construire la plante et construire ses flux, construire son système vasculaire. Si on regarde d'un peu plus près, on voit que le cambium, il est bien entre le bois et le libère. Et donc, simplement vous dire par là que le libère, c'est un organe qui est beaucoup moins spécialisé dans sa conduction que l'est le bois. Le bois, il est très, très direct dans sa conduction, alors que le libère, c'est des vaisseaux qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus fins, beaucoup plus denses et qui sont beaucoup moins entre mêlés de fibres. Donc ça donne des choses complètement différentes. Donc imaginez bien ici que c'est bien le libère qui permet à la plante d'être alimentée au niveau de son cambium, qui lui fabrique tous les ans une couche de bois vers l'intérieur et une couche nouvelle de libère vers l'extérieur. La plante grossit, telle une poupée russe, une nouvelle plante vient pousser par-dessus la plante de l'année précédente tous les ans. Alors on s'est mis à regarder cambium parce qu'on s'est mis à penser que le cambium construit les flux. Et donc si on pense à la construction des flux, on va penser à la manière dont ils sont construits. Et donc on pense plutôt du haut vers le bas que du bas vers le haut, même si effectivement, comme le dit François, le cambium a besoin d'eau et de sels minéraux. Mais avant tout d'eau, plus que de sels minéraux, puisqu'il récupère les minéraux, bien sûr, dans la sève élaborée qui est produite par les feuilles. Donc si on réfléchit cambium et qu'on réfléchit du haut vers le bas, on regarde la plante complètement différemment. Et ici, on pense à quelque chose qui descend et qui vient alimenter ce qu'il y a en dessous. Ça nous explique pourquoi on a des zones mortes ici. C'est simplement parce qu'elles n'ont pas été alimentées par un pampre. Si j'avais un pampre ici, toute la zone du cambium qui est ici serait vivante. Aujourd'hui, en fait, on a complètement abandonné cette partie-là. Il n'y a aucun champignon qui est responsable de ça. Si on réfléchit cambium, on réfléchit allongement année après année. Et si on accepte cet allongement-là, on n'a non pas un flux qui est juste sur le dessous, on a un flux qui a 360 degrés et qui fait le tour des plaies. Et ça nous paraît plus pertinent que de grouper simplement les plaies de taille sur le dessus en abandonnant toute une partie de la plante. Il nous semble que si on peut arriver à obtenir des systèmes qui permettent d'avoir l'intégralité du flux et des flux qui est fonctionnel, on va augmenter la capacité de résilience et de résistance de la plante et donc on va augmenter sa durée de vie. Le cambium fabrique des fibres en fonction de qui l'alimente et de ce qui l'alimente et donc il est capable de réorienter ses fibres. À la fois, je suis d'accord pour dire, comme François, que le bois, il est très compartimenté dans sa manière d'alimenter d'un côté et de l'autre de la plante. Donc, on imagine deux flux, un flux d'un côté et un flux de l'autre qui alimente le cambium qui fabrique des fibres dans ce sens-là, mais si on arrête d'alimenter d'un côté, si on se met à alimenter par une autre partie, le cambium refabrique des fibres dans la direction de ce qu'il alimente. Ça veut dire que c'est pas figé cette manière-là de construire les flux. C'est quelque chose qui est en évolution permanente. Si vous avez un flux de sève dès le début, si vous avez un seul bras, vous allez avoir tous les flux qui vont se construire en direction de ce bras. Si je regarde ici, tout est vertical, ok, mais pourtant, les nouveaux flux qui ont été construits, ils font le tour de cette plaie-là. Forcément, il y a une redirection systématique. Il y a une redirection systématique simplement parce que on taille et que systématiquement, en taillant, on fait évoluer la direction que prennent les fibres. Donc cette direction-là n'est pas figée. C'est ce que l'on montre avec ces écorçages, en fait. On essaie de montrer que les parties vivantes de la plante sont liées à leur alimentation. Si on arrête de les alimenter, elles meurent. Et donc en fait, tout ce que vous voyez comme nécrose ici, tout ce que vous voyez de redirection des fibres que l'on peut voir à certains endroits par rapport à des anciennes directions de fibres, toutes ces formes tarabiscotées-là sont simplement liées au fait que le cambium a été meurtri et qu'il est mort sur les parties qui ne sont pas alimentées. Les seules parties alimentées continuent à grandir.
Là, on voit bien que ces histoires de flux, c'est pas simplement un côté et l'autre, et que ça peut évoluer dans le temps. C'était d'un côté et l'autre au début, forcément, sur cette plante-là, et puis petit à petit, bah, les différentes plaies ont fait mourir des parties du bois, et on se retrouve avec un flux qui maintenant fait le tour, et on n'a pas une direction précise, et on n'a pas une séparation bien précise. Plus on va descendre proche de la greffe, plus on va retrouver la greffe, moins on aura de séparation des flux, et donc le tronc va jouer quand même un rôle de mélangeur, et surtout le cambium va refabriquer des fibres en direction des parties qu'il alimente. Hyper important. On le voit ici, hein, d'ailleurs, depuis qu'on a arrêté d'allonger, ben, on a un flux à 360 degrés, alors que toutes les plaies qui ont été faites de réduction de la plante, qui ont empêché la plante de s'allonger, pour probablement des raisons qui tiennent dans la manière de penser du viticulteur qui a voulu empêcher la plante de s'allonger pour pouvoir continuer à bien positionner ses sarments sur son plan de palissage. Ça s'explique tout à fait, mais ce que l'on voit, c'est que bah, ces deux plaies-là sont, ces quelques plaies-là sont vraiment extrêmement mutilantes et que bah, c'est ce qui crée en grande partie les mortalités apoplectiques, en fait, ces plaies-là, puisque c'est du bois qui est abandonné par la plante et qui va être nécrosé par des champignons. Puis, si la plante arrive à refaire des flux, ça va arriver à passer, mais certaines fois, c'est un peu compliqué. Les champignons se mettent à dégrader du bois et se comporter comme des pathogènes. Donc, effectivement, oui, il y a des problèmes avec ces histoires d'allongement qu'il va falloir débattre. Quand on écorce des plantes à longueur d'année, on s'aperçoit effectivement que si on réfléchit du haut vers le bas, on comprend bien que le sarment qui est là n'arrive pas à alimenter le cambium qui est ici. Et que si on réfléchit du haut vers le bas, on réfléchit sur 360 degrés à comment la plante va arriver à alimenter son cambium pour refabriquer des fibres. C'est ce que l'on voit effectivement aussi sur le cordon qu'il y a en dessous. Elle est capable de le faire et là on le voit, on a abandonné toute une partie et on est parti en latéral sur une des deux parties. La vigne est construite comme ça, elle a des croissances qui sont latérales et donc elle reconstruit des fibres en direction des nouvelles parties qui les alimentent. On le voit ici avec l'abandon de cette partie-là qui n'a pas du tout fait mourir l'intégralité du cambium à l'extérieur, qui a pu refabriquer des nouvelles couches de bois. Ce cep-là était sain en partie en périphérie. Par contre, l'impact des plaies et de l'abandon des plaies, même si on a laissé des chicots très longs, ben on va le voir et on va en discuter, impacte beaucoup plus que ce qu'on pensait alors. Au début, la plante. Et c'est des milliers de dissections qui nous font avoir cette manière-là de voir. Le bois, c'est un système très compartimenté. On l'a dans son architecture même, en fait. Les pétioles, les diaphragmes, les couronnes, la greffe, ce sont des systèmes qui permettent de maintenir une espèce d'étanchéité entre les différentes parties. Cette étanchéité est sine qua non pour la plante. Je parle bien d'étanchéité puisque c'est un système vasculaire. Vous savez que dans la plante, il peut régner à la fois de la pression au printemps, au débourrement, c'est là à ce moment-là que vous voyez les pleurs, mais il peut régner aussi, et il règne en majorité du temps, de la tension. Quand les feuilles évapotranspirent, ça crée une tension qui peut être très importante en été et qui peut d'ailleurs entraîner des phénomènes de mortalité apoplectique s'il y a de l'air qui rentre dans le système. L'ennemi de la plante et l'ennemi de la circulation des flux, c'est l'air qui rentre dans le système. Le bois lui-même est construit dans sa structure pour pouvoir compartimenter le système. On va discuter de ça. C'est une réaction à l'oxydation de ces tissus qui permet des phénomènes de compartimentation qui vont permettre de maintenir l'étanchéité. Donc pour ça, il faut comprendre déjà comment est construite la plante. Alors François nous parle des diaphragmes. Moi, je fais attention maintenant. J'ai tendance à me dire, attention, les diaphragmes, ce n'est pas une porte continue. Et quand on les dissèque, on le voit bien, c'est une porte qui est du côté du bourgeon. C'est simplement des cellules non vascularisées, qui sont des cellules hydrophiles, qui vont récupérer l'eau de la sève brute qui vient d'en bas, la diffuser soit dans le bourgeon, soit dans les vaisseaux qu'il y a au-dessus, et permettre à la sève brute de continuer son circuit. Mais si on regarde à l'opposé des diaphragmes, on a bien les diaphragmes qui sont ici et qui correspondent au bourgeon, à l'opposé des diaphragmes, les flux sont continus. Donc on n'a pas de porte étanche au niveau des diaphragmes, il faut se méfier. C'est pour ça qu'en fait d'aller couper sur le diaphragme supérieur en conservant un diaphragme de plus, ben, ça me semble une bonne idée et je suis bien d'accord avec François sur cette question-là. Plus on va allonger le chicot, meilleure sera la possibilité de développement des sarments l'année d'après.
Et je suis aussi d'accord pour dire que les cépages ne se ressemblent pas. Sur une Syrah, vous pouvez quasiment couper à ras du bourgeon, alors que c'est sûr que sur un Sauvignon, sur un Grenache, si vous faites ça, ça va être catastrophique. Donc oui, bien sûr, les génétiques sont différentes et il faut essayer d'adapter les choses aux différentes plantes. Mais on est dans un niveau de complexité tel qu'on est bien obligé de proposer des lectures un peu généralisantes, quoi. Alors forcément, oui, ça, certaines fois, ça peut poser problème. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que la couronne, c'est un système qui est dense et étanche. Si on a des couleurs différentes et qu'on voit l'insertion ici du rameau dans le bois de l'année précédente, on s'aperçoit qu'effectivement, la couronne, c'est des vaisseaux qui font le tour et il n'y a pas de connexion directe entre les vaisseaux du sarment et les vaisseaux de la couronne. Et on le revoit si on écorce un peu et on comprend bien que sur le bois de 2 ans et sur le courson, la couronne appartient bien au bois de 2 ans. Donc ça, c'est assez important d'avoir ce regard-là, parce que ça nous permet de comprendre que les vaisseaux sur les bois de 2 ans sont assez continus, ils sont longs, et ils sont tellement longs même que on suppute qu'ils fassent la longueur intégrale des bois de 2 ans. À la base de ces bois de 2 ans, il y a encore les couronnes. C'est-à-dire que les couronnes, il y en a à la base des bois de 1 an. C'est très important parce que ça nous permet d'avoir une étanchéité entre le sarment et le bois qui porte le sarment. Mais on a aussi des couronnes et on observe ça de façon assez régulière à la base des baguettes, par exemple, ou à la base des courgettes. Donc, ils sont des bois qui ont 2 ans de croissance. Quand je dis 2 ans de croissance, quand je dis bois de 2 ans, c'est qu'il y a le sarment de la première année et puis la nouvelle couche de bois qui vient recouvrir intégralement la croissance de l'année précédente, en fait. Et donc, on a toujours une nouvelle couche de bois qui vient recouvrir cette croissance de l'année précédente. Attention, il n'y a pas de diaphragme dans le bois de 2 ans. Il y a simplement le diaphragme de 1 an, le diaphragme qui était ici. Il n'est pas reproduit tous les ans. On ne retrouve pas de diaphragme dans le bois de 2 ans. La photo de droite, c'est simplement pour illustrer, avec une petite coloration à l'eau iodée, que les rayons médullaires stockent les réserves. La coloration à l'eau iodée fait une réaction qui nous permet de voir l'endroit où est stocké l'amidon dans la plante. La croissance donc de la plante, c'est une croissance en couches successives. Et quand on regarde cette image-là, on peut comprendre assez facilement que la couche bleue qui est ici est issue de la couche jaune, qui est issue de la couche rouge, qui est issue de la couche verte. Et on va retrouver ces mêmes couleurs ici, bleu, jaune, rouge et vert sur la plante. Quand on regarde la manière dont c'est construit, alors là j'ai peint les différentes couches les unes par rapport aux autres, hein, c'est vraiment tout à fait réaliste, hein, ces différentes couches. Ben, on imagine que les couches sont de plus en plus, les vaisseaux sont de plus en plus continus en fait. On a des vaisseaux très très longs sur les bois les plus âgés, alors qu'on a des vaisseaux plus courts interrompus par les couronnes sur les bois les plus récents. Donc la plante, ça nous amène à penser la plante comme un système avec des sas d'étanchéité qu'on peut voir côté par côté avec les diaphragmes, qu'on peut imaginer avec les couronnes qui sont très efficaces, les couronnes de 1 an et les couronnes de 2 ans, mais avec une longueur de vaisseau très importante sur les bois de 2 ans et une longueur de vaisseau sur la nouvelle couche de bois, la dernière des couches de bois qui est créée sur les bois qui ont 3 ans et plus, 3 couches de bois et plus, qui va être quasiment continue. Alors, oui, probablement, François a pas tort, c'est pas tout le temps le cas, mais dans 80% des cas au minimum, on trouve cette manière-là d'être construite. Il suffit de disséquer, de poser les yeux sur cette manière-là d'être construite pour s'apercevoir que c'est le cas. C'est le cas aussi également pour la greffe, qui est en fait une protection du système racinaire. Les nécroses que l'on va faire en surface ne vont pas descendre dans les racines, mais vont ça simplement s'arrêter à la greffe la plupart du temps, puisque c'est une connexion entre deux systèmes vasculaires. En fait, on parle de différenciation des flux vasculaires, en fait. Il y a une différenciation entre le sarment et la baguette, il y a une différenciation entre la baguette et le cep, et il y a une différenciation vasculaire entre le cep et le système racinaire qui est représenté par le porte-greffe. Cette différenciation-là, elle est intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre qu'il y a ces différents sas. À l'intérieur, le bois, lui aussi, il est très compartimenté et on voit que les vaisseaux sont séparés par ces rayons médullaires. Ces rayons médullaires, ce sont des cellules vivantes.
C'est les cellules parenchymateuses. Je ne sais pas si vous voyez, mais elles sont reliées au libère qui est en bleu foncé à l'extérieur. Elles touchent toutes le libère. Et donc le libère va décharger son énergie dans l'énergie qui est produite par la photosynthèse, dans ces rayons qui sont d'abord libériens, puis ligneux ou médullaires dans le bois. Et en fait, la plante va charger son bois en énergie, et cette recharge en énergie se fait à travers ces cellules-là qu'on appelle des cellules de parenchyme, des cellules vivantes. C'est ces cellules de parenchyme-là qui nous intéressent très très fort, parce que c'est ces cellules de parenchyme et leur contenu qui va permettre à la plante de réagir et de faire l'effet chicot. Donc ce que vous voyez, les gommes que vous voyez là, sur un uni blanc, c'est des gommes qui ont été sécrétées par la plante, et ces sécrétions viennent des cellules vivantes parenchymateuses qui, ouvertes sur l'environnement, ont invaginé leur contenu dans les vaisseaux et créé ce qu'on appelle l'effet chicot. Cet effet chicot-là va permettre le débourrement au printemps et va limiter l'impact de la coupe sur une longueur qui va être relativement courte, 2 à 3 fois le diamètre de la coupe, comme c'est communément dit. Mais ce chicot-là ne va pas forcément fonctionner très longtemps. Vous voyez que ce chicot-là qui avait été fait a fonctionné pendant un moment, mais ce que l'on retrouve maintenant, c'est une nécrose qui descend beaucoup plus bas dans la plante. Alors c'est très difficile quand on regarde ces dissections, parce qu'il y a des biais très très forts dans l'interprétation. C'est très difficile à lire. Ce que l'on voit, en gros, c'est une coupe là qui est faite à peu près à l'axe des plaies. À l'axe des bois. Si vous ne faites pas la coupe à l'axe des bois, vous pouvez complètement biaiser votre interprétation. Ce que l'on voit aussi ici, c'est un phénomène qui est en cours de dégradation, en cours d'oxydation. On a, oui, des champignons qui sont ici, c'est assez évident, qui commencent à nécroser, mais on a aussi forcément, oui, des champignons qui commencent à descendre à l'intérieur et à oxyder le bois, à faire rentrer de l'oxygène dans les cellules de bois ici, et donc la coloration commence à se voir. Alors, ça veut dire qu'il faut interpréter toutes les dissections, non pas comme quelque chose qui est déjà en place, mais quelque chose qui est en cours de dégradation, en cours de déshydratation. C'est ce qui rend la chose très difficile à comprendre. Vous voyez ici, on pourrait penser que la plante, elle est quasiment saine, et se dire, oui, bah finalement, il y a une grande majorité de bois sain. Mais quand on la redissèque dans l'autre sens, on comprend bien qu'en fait, l'intégralité des vaisseaux que l'on voit à l'intérieur ici sont en train de s'oxyder et sont complètement nécrosés. Et c'est ce que l'on voit si je le redessine à cet endroit-là. Cette zone de compartimentation va descendre dans la plante, et elle n'était pas forcément très visible au début, puisqu'en fait l'entrée d'air se fait par ici, et le temps que l'oxygène descende et fasse réagir la plante avec ces cellules vivantes qui vont s'invaginer et qui vont relarguer leur tanin, qui vont réagir et fabriquer des tils qui vont permettre de boucher ces vaisseaux, ben forcément ça prend du temps. Et donc, et c'est vraiment différent en fonction de chaque plante, quoi. C'est assez étonnant de s'apercevoir que sur le muscat petit grain, bah, c'est très peu coloré, alors qu'on va avoir des colorations beaucoup plus fortes sur du merlot ou sur du cabernet sauvignon ou du chenin. Voilà, là par exemple, je voudrais répondre à une histoire par rapport au fait que les flux de sève soient sur le dessous. Ils sont sur le dessous parce que, en fait, on a, et c'est une bonne chose, grouper les plaies de taille sur le dessus. On n'a pas trop le choix de toute façon, puisqu'il faut que la plante ne monte pas trop par rapport au fil. Donc on va toujours prendre sur le dessous, sur le dessous, sur le dessous, pour éviter que la plante monte. C'est avant tout pour ça qu'on reprend sur le dessous. Le fait de grouper les plaies sur le dessus, bah forcément, si elles sont mutilantes, on a vraiment intérêt à le faire, parce que ça va permettre d'avoir une circulation et un flux vasculaire parfaitement nickel sur le dessous, avec une continuité qui va permettre d'éviter les risques d'embolie et d'apoplexie en plein été. Donc toutes les plaies sont groupées sur le dessus ici, mais elles sont mutilantes, et on voit que les nécroses sont hyper importantes, simplement parce que ben, elles sont sans doute rasées, trop courtes, mal faites, malgré l'allongement. Donc ce que je veux vous montrer, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une mortalité sur le dessus. Voyez par exemple ici à droite, on s'aperçoit que ben, tout le dessus, malgré les différentes plaies, il reste vivant en fait. On a encore des cellules vivantes qui font le tour de nos chicots. Et quand on regarde, on a eu des plaies dessous et des plaies dessus. En fait, on a des plaies de tous les côtés, mais on a malgré tout ici un système qui fonctionne très très bien au bout, parce qu'on a un flux qui fait la globalité du système. Alors,
Effectivement, il faut se méfier de ne pas coincer ce flux entre des plaies, et ça, ça reste tout à fait d'actualité. Je suis tout à fait d'accord avec ce que proposent mes collègues là-dessus, hein, que ce soit Dalle ou Simonnier, tout ça. Il faut faire super attention à la manière dont c'est construit. Mais si je réfléchis du haut vers le bas, je ne réfléchis pas à la même chose que si je réfléchis du bas vers le haut. Voyez, par exemple, ce gros chicola sec, ça a été réfléchi du bas vers le haut, et au lieu de continuer à allonger sur un bras qui devait être ici, on est reparti en amont, peut-être pour des bonnes raisons, hein, d'allongement, et en fait, en repartant en amont, ben, on n'a plus alimenté que le cambium sur une partie qui correspond à ce qu'il y a en dessous. Si je verticalise ce profil ou si je l'horizontalise, j'ai bien une mortalité des deux côtés. Donc ça, on l'a modélisé, on l'a expliqué, et c'est en lien très très fort avec les travaux de Chaigo et d'Alex Chaigo, qui est un phytopathologiste, qui était un phytopathologiste puisqu'il est décédé, et qui a été repris par Dirk Siefken, un Allemand, qui a repris ces concepts de Codit. Donc en fait, on l'applique à la vigne, et c'est très difficile, puisque la vigne, on la taille énormément, on fait des coupes successives les unes après les autres, donc lire la compartimentation devient... demande une expertise et demande beaucoup beaucoup de temps pour comprendre réellement ce qui se passe dans la plante. Surtout que ça se passe, comme je vous l'ai dit, dans le temps. Donc en fait, ce que montre cette image-là, c'est de voir quel est l'impact sur le long terme de coupes de réduction. L'impact sur le long terme de coupes de réduction, c'est la mise en place par la plante d'une paroi de compartimentation, une sorte d'écorce interne à base de tanins qui est sécrétée par les cellules parenchymateuses vivantes de la plante ou qui a été fabriquée par le cambium au moment de la coupe ou au printemps suivant la coupe. Donc tout ce que vous voyez en rouge ici, ça va être global sur la plante et tout ce que vous voyez à l'intérieur de cette peau rouge là, c'est du bois qui débouche maintenant sur l'atmosphère, des tuyaux, des vaisseaux, couche après couche qui débouche sur l'atmosphère. Et donc forcément, les spores de champignons viennent ici et commencent à dégrader la matière. Et là, j'ai représenté une pourriture blanche fibreuse. Pourquoi? Parce que la lignine a été décomposée. Donc là, ce qui reste, c'est la cellulose qui nous donne cette apparence de pourriture blanche dite fibreuse. Simplement, le champignon a déjà tout consommé. Il reste uniquement la cellulose. Le champignon est déjà bien plus bas et l'oxydation des vaisseaux qui est progressive commence à se marquer sous forme d'une colonne de bois coloré comme le dit Alex Chaigo. Et donc, hyper important de comprendre que après cette coupe-là et ces deux coupes-là, le cambium a mis en place une paroi chimique interne à base de tanins qui va plus ou moins se voir rapidement dans la plante, mais qui va isoler les nouveaux vaisseaux formés des anciens vaisseaux des anciens vaisseaux qui débouchent maintenant sur l'atmosphère. Donc, la plante arrive à recréer une écorce interne pour arriver à rester étanche, c'est sine qua non à son fonctionnement. Retournons maintenant sur cet effet Chico et sur l'impact des plaies de taille. Quand on coupe et qu'on coupe une plante, même en conservant le diaphragme, en fait, c'est simplement les cellules vivantes parenchymateuses qui vont s'invaginer dans les vaisseaux et qui vont créer des gommes qui vont permettre de réétancher le système. C'est l'effet Chico. Cet effet Chico a besoin d'une certaine longueur. Que ce soit sur des bois de 1 an, de 2 ans ou de 3 ans, c'est la même chose. Que ce soit même sur un recépage, on a besoin d'un peu de longueur. La plante a besoin d'un peu de longueur pour arriver à faire en sorte que les gommes et les tiles ne viennent pas obturer des vaisseaux qui vont pouvoir servir à stimuler le débourrement des nouveaux rameaux. Si on regarde par contre l'impact que ça a l'année suivante, on s'aperçoit que l'impact de la coupe là ne se limite pas au diaphragme, mais que la déshydratation des vaisseaux finit tôt ou tard par descendre. Alors forcément, oui, c'est une caricature, et je le montre là sur ce dessin, comme si ça déshydratait intégralement très rapidement jusqu'à la base. Donc ça va être le cas tôt ou tard, mais forcément en fonction des cépages, c'est plus ou moins rapide. Si on supprime un bois intégralement mais qu'on conserve la couronne, donc seule la petite partie là nécrosée va se nécroser, ce qu'on appelle le cône d'insertion, et c'est ce qui permet de nous dire qu'il ne faut plus raser aucune couronne. Si je rase une couronne, je fais rentrer de l'air dans des vaisseaux, une nouvelle couche de vaisseaux qui sont censés alimenter la suite. Donc en rasant les couronnes, systématiquement, si je rase les couronnes, je stimule la sortie de pampres en amont et je ne règle absolument pas le problème des travaux en verre et de l'épamprage. D'ailleurs, si ça fonctionnait, on arrêterait d'épamper sur les vieilles parcelles.
Pour ce qui concerne des plaies de boîte de 2 ans, imaginez que, ben oui, on a l'année d'avant un sarment qui est sur la partie haute, et si on vient couper à la couronne de ce sarment-là, on vient ouvrir un boîte de 2 ans qui est avec des vaisseaux que je qualifie de plus continus. Il n'y a pas de diaphragme sur le bois de 2 ans. La nouvelle couche de bois est continue. Donc l'impact, qu'elle soit faite en un ou en 2 temps, il y a toujours l'effet Chicot qui va se caractériser et qu'on va retrouver l'année prochaine avec une zone nécrosée sur la partie qui a été réduite, que ce soit le bois de 1 ou le bois de 2, quelle que soit la manière dont il a été supprimé, si on ne conserve pas la couronne, on va forcer la couronne du haut, on va forcément nécroser jusqu'en bas. Si on le fait en 2 temps, ben on peut permettre là simplement de garder l'étanchéité pour le redémarrage. Et c'est à cet endroit-là que François critique un peu nos pratiques en disant que ça rajoute du travail d'épampage aux viticulteurs. C'est une réalité, ça rajoute un travail d'épampage. Et d'ailleurs, c'est un compromis qui est discutable et où on peut effectivement directement tailler dans le bois de 2 ans et avoir un impact plus rapide et plus général dans la plante. Ça sera défavorable pour le débourrement des nouveaux rameaux, mais ça reste tout à fait acceptable et on peut tout à fait tailler comme ça directement. Simplement, on cherche à voir quelles sont les possibilités d'amélioration et quand on commence à essayer de ne faire que des plaies sur du bois d'un an et de préparer l'enlèvement des bois les plus âgés en les laissant vivants le plus longtemps possible, le temps que le cambium réoriente les nouveaux flux en direction de la partie qui l'alimente, bah oui, forcément, oui, il y a des compromis, mais il y a des améliorations aussi qui peuvent être attendues, et c'est ce que l'on observe, et c'est ce que les viticulteurs observent à longueur d'année sur le terrain. Donc l'impact des plaies de bois de 2 ans est toujours important, mais va se limiter quand même à leur cône d'insertion, et c'est ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait supprimer des bois de 2 ans tant qu'on conserve leur couronne, tant qu'on ne rentre pas plus en profondeur, on n'a pas de problématique. D'ailleurs, il y a des tailles qui sont construites comme ça, comme dans le Médoc, bois de 2 ans sur bois de 2 ans sur bois de 2 ans, l'impact de découpe sur bois de 2 ans va se limiter au cône d'insertion des baguettes année après année. Donc on a un cumul de bois vivant en amont. Et du coup, je vois ça d'un très bon œil. C'est une taille qui fonctionne très très bien et qu'on peut continuer à pratiquer puisqu'elle ne va pas impacter l'intégralité du système vasculaire de la plante. C'est la même chose si on doit enlever, par exemple, un courson, une baguette, pardon, avant un courson. Donc, si j'ai ma baguette qui est avant mon courson, bah, je vais pouvoir la supprimer en conservant sa couronne à la base. Et en conservant sa couronne à la base, je n'aurai qu'une nécrose qui va ne pas rentrer dans la plante. Et c'est l'avantage qu'on y trouve, quoi. Alors oui, certaines fois, et c'est bien, il faut bien l'avouer, que certaines fois, on trouve quand même quelques petits vaisseaux nécrosés, et que effectivement, des fois, l'impact sur le bois est peut-être un peu moins maîtrisé. Mais imaginez juste que la connexion entre les bois de 1 an et les bois de 2 ans, c'est simplement des petites parois très très fines qui permettent de relier des vaisseaux qui ont des sens de croissance différents, mais par contre avec une densité de cellules vivantes intercroisées à cet endroit-là qui viennent boucher et qui viennent réétancher le système. Bah, suivant le cépage, bah, ça réagit de façon un peu différente. Bah, donc on a essayé de rationaliser cette histoire-là et on comprend bien qu'effectivement les couronnes sur les bois de 1 an et les bois de 2 ans sont très fonctionnelles, mais qu'elles le sont simplement, uniquement jusqu'à la 2e année et la 3e année, on a une continuité de bois qui est en train de se construire. Là, vous voyez, par exemple, c'était assez typique si on a un pampre qui ressort en amont parce que on a une plaie de bois de 2 ans sur cette partie-là et qu'on décide d'utiliser ce pampre. Il faut vraiment prendre conscience qu'il n'y a que la dernière des couches de bois qui va alimenter en sève brute ce pampre et que lui-même ne pourra alimenter en descendant qu'une partie qui correspond à ce que lui est capable d'alimenter. Donc, si je supprime cette partie et même si je laisse un chicot, j'aurai bien sûr l'effet chicot qui va jouer au printemps, mais lui, ce nouveau sarment, n'arrivera à alimenter le cambium et la partie vivante qu'il y a en dessous uniquement que sur une petite partie périphérique qui correspond à ce qu'il est capable d'alimenter. Donc cette partie-là est capable d'alimenter le cambium sur cette partie-là. D'ailleurs, c'est ce que dit François très justement sur son système de réduction. Il faut mieux attendre que la partie qui fait le relais grossisse pour que, puisque plus elle grossit, plus on arrivera à alimenter de cambium. Plus on le fait tôt, moins le cambium sera correctement alimenté. Bon, mais l'impact, par contre, de la coupe sur le bois sera la même et on aura un impact, global et général de la coupe jusqu'à la base.
Donc, ben voilà quelques images où on voit comment fonctionne cette compartimentation. Donc là, on voit les rayons médullaires qui sont des rayons, qui sont des cellules parenchymateuses qui limitent l'impact de la déshydratation sur cette partie-là. C'est assez intéressant. Là, ce que l'on voit, c'est que la réduction en longueur de ce cep-là pour repartir en amont, ben, lui a fait abandonner et compartimenter l'intégralité de la forme du cep telle qu'il était au moment de la coupe, et que ce n'est que les croissances d'années successives qui ont rajouté de nouvelles couches de bois. Ici, on a trois ou quatre couches de bois successives qui ont permis à la plante de grossir en diamètre. Alors forcément, là, comme on a alimenté qu'un côté, ben oui, c'est sûr que l'autre côté est quasiment mort, c'est une certitude. Ah oui, alors sur celui-là, c'est pour montrer simplement qu'à chaque fois qu'on fait des coupes, il y a bien ces zones de compartimentation qui descendent. Alors là, on les voit très fortement sur ce merlot, mais en fait, elles sont plus difficiles à voir, et on reprendra les images de François tout à l'heure pour vous montrer qu'en fait, on les voit quand même et que cette dégradation est progressive. Là, ce que ça montre, c'est qu'à chaque fois qu'on enlève une baguette sur cette interprétation de guyot simple, là, qui est une espèce de tête de chat sur laquelle tous les ans jaillit un courson et une baguette, sur lequel on refuse totalement l'allongement, à chaque fois qu'on va supprimer la baguette, on va avoir un impact global sur le cep jusqu'au point de greffe au minimum. Bon, d'autres coupes que je ne vais pas vous montrer. J'ai du mal d'ailleurs à enlever là, si je peux les enlever avec la gomme là. Mais effectivement, là, c'est plusieurs coupes successives qui nous montrent des parois de compartimentation qui sont très efficaces. Notamment, c'est le cas sur la paroi de compartimentation qui a été construite ici avant de construire le cordon. Et on s'aperçoit ici que, ben oui, la plaie de bois de 2 ou 3 ans réimpacte jusque un peu plus bas, probablement une plaie de bois de 2 ans d'ailleurs, et que le reste du bois est sain. Des ceps un peu plus sains, on en connaît, et ça c'est un cep qui a été construit avant, c'était un cep qui avait été construit sur des plaies de bois de 2 ans. Donc là, en fait, je peux pas trop revenir en arrière, donc en fait, je vais avancer et réutiliser les photos à François pour essayer d'expliquer. On a bien l'effet chicot, là, effectivement, sur ces images-là, où on voit que le chicot qui a été coupé ici, on a la longueur et les gommes et les tiles qui ont fait leur taf de limiter la dégradation du bois. Par contre, j'attire votre attention sur une zone brune qu'on retrouve intégralement sur cette partie-là. Toute cette zone brune, c'est du bois qui est mort avec des cellules en apoptose, et on voit même des vaisseaux qui sont tilés ici à l'intérieur. Donc en fait, l'impact de cette plaie-là, c'est pour l'instant limité comme ça visuellement au chicot, mais en fait est beaucoup plus profond que ça en a l'air dans la plante. Sans dire en plus que la manière dont il a été coupé ici, c'est probablement un peu périphérique, et on n'est pas passé par l'axe des coupes, donc l'interprétation est très difficile. Mais l'impact de cette plaie-là sur la plante, c'est une mortalité et une incapacité d'alimenter les cellules parenchymatiques de toute cette partie-là jusque à la greffe et non pas jusqu'au système racinaire. Et donc les différentes coupes qu'on a là, on va pouvoir retrouver ces problématiques aussi ici. Donc ça, c'est un jeune cep, ça fait pas très longtemps que ces coupes ont été faites, et on retrouve quoi? On retrouve aussi ici ces zones de nécrose avec ces couleurs là qui se retrouvent et qu'on retrouve dans la plante. On retrouve ces couleurs, et ces couleurs bah, sont liées à des vaisseaux qui sont oxydés, qui ont été en contact avec l'oxygène, avec les contenus cellulaires qui réagissent à l'oxygène, donc les tanins qui changent de couleur et qui nous montrent les endroits où la plante est nécrosée. On a la même chose sur cette plaie-là ou ces plaies-là. En fait, vous voyez, on a ces plaies-là qui sont vraiment pas jolies en surface, mais en fait, si on les suit, on les retrouve jusque plus bas. Donc, en fait, il y a bien un impact plus bas, et il faut imaginer que cet impact-là, c'est simplement quelque chose qui nous montre que, effectivement, les vaisseaux sont abandonnés jusqu'en bas. On va le retrouver aussi sur ces images ici, où oui, on voit bien là que bah, le diaphragme, bah, c'est sûr qu'il n'a pas suffi parce que bah, sans doute que les gommes et les tiles n'ont pas réussi à suffisamment boucher cette partie-là et que la déshydratation s'est faite un peu plus loin. Toutefois, il y a une nouvelle couche de bois qui vient recouvrir la couche de bois l'année précédente. La nouvelle couche de bois qu'il y a ici recouvre intégralement la couche de bois de l'année précédente. Bon, bah, c'est pas très grave. L'important ici, c'est que le cambium qu'il y a ici puisse continuer à grossir et le cambium qu'il y a ici puisse continuer à grossir pour finir par recouvrir la plaie et permettre de refabriquer les flux. Sur celui de droite, on a la sensation d'avoir cet effet chicot-là qui a fonctionné. C'est vrai qu'il a fonctionné pour le débourrement et ça permet le débourrement au printemps. Quand on a ces gommes et ces tiles, ça vient boucher et permettre à la plante de monter en pression au printemps, cette pression qui est osmotique et qui est liée à la poussée racinaire. Et le fait que la plante monte en pression, ça permet le débourrement des rameaux qui vont se développer et rajouter une nouvelle couche de bois. Toutefois,
Une fois que les rameaux sont développés et rajoutent la nouvelle couche de bois par-dessus, ben ils ont aussi des feuilles qui évapotranspirent et qui peuvent générer des tensions très importantes de plusieurs mégapascales, donc de plusieurs dizaines de bars. On peut aller jusqu'à quasiment 20 bars en fait, sur la vigne en évapotranspiration. Donc dans le bois, ça sera peut-être plutôt 7 ou 8 bars, mais 7 ou 8 bars de tension, faut imaginer que les gommes ne sont pas suffisantes pour recréer l'étanchéité. Et donc ce que l'on voit ici sur cette plante-là et qu'il faut interpréter, c'est qu'en fait il y a une zone de compartimentation qui s'est construite ici en descendant. Vous voyez, je ne fais que suivre des vaisseaux qui ont été colorés par l'oxygène qui est rentré par ici, et la nouvelle couche de bois qui a été créée entre la couche bleue et la couche rouge est parfaitement saine et parfaitement continue et permet d'alimenter le nouveau rameau. C'est exactement ce que l'on retrouve ici aussi. On voit cette compartimentation très très forte, apparemment sur le gammaret, que je ne connais pas trop, mais c'est vrai que là on voit vraiment nettement que la nouvelle couche de bois qui a été créée, bah, est isolée de l'ancienne couche de bois. Donc on est tout à fait d'accord que là, peut-être allonger le chicot aurait été préférable, mais en même temps, quand on regarde la nouvelle couche de bois qui a été créée, on se dit que finalement c'est pas si mal que ça, et que de toute façon l'effet chicot ne sert que pour le débourrement. Pour le reste, après, il n'aura plus d'impact, il n'aura plus. Alors, il peut avoir un impact pour ralentir effectivement la progression de champignons qui consomment le bois, hein, de champignons lignivores, mais de toute façon, tôt ou tard, ces champignons-là finiront bien par dégrader ce bois, et heureusement, d'ailleurs, c'est extrêmement vertueux que ces champignons dégradent le bois, sinon on marcherait sur des mètres et des mètres de bois, et on n'aurait pas du tout de fertilité dans le sol, puisque c'est bien ces champignons qui permettent de constituer une bonne partie de l'humus des sols. Le chicot sur le bois de 2 ans, ben je suis d'accord avec François. En fait, c'est une histoire de longueur, quoi. Quand on fait baguette sur baguette, puisque là c'est un peu l'enjeu, ou alors quand on d'ailleurs fait courson sur courson, ben il faut que le chicot soit le plus long possible, puisqu'on a besoin d'avoir une longueur suffisante pour que les gommes et les tiles ne viennent pas boucher. Ne viennent pas boucher l'alimentation du futur sarment. C'est sûr que si les vaisseaux sont bouchés, bah, le sarment sera mal alimenté. Alors que si on laisse plus long et que les gommes et les tiles arrivent à boucher suffisamment la partie réduite, bah, la nouvelle croissance et la montée en pression au printemps va pouvoir permettre de gérer la situation. Si on est dans le cadre d'un courson et qu'on n'a pas fait la coupe en haut, qu'on est vraiment dans le cadre d'un courson. Partir sur celui du bas en gardant celui du haut peut avoir un intérêt, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on maintiendrait l'étanchéité du bois de 2 ans. Par contre, si c'est sur une baguette et que, en fait, on est sur une baguette comme c'était le cas ici avec des bois plus loin et qu'on réduit en longueur cette baguette-là, dans ce cadre-là, je suis tout à fait d'accord avec François, ça sert à rien de faire autre chose qu'un chicot suffisamment long. Alors, ben, plus ma plante fait des gros vaisseaux comme c'est le cas pour le Sauvignon, ben, plus j'ai tendance à devoir aller chercher plus loin. Et là, dans ce cadre-là, ben, si je coupe la couronne, ben, autant couper ici, puisqu'en coupant la couronne, on fait rentrer de l'air aussi dans cette partie-là, puisque la couronne appartient à la baguette ici. Alors, on a attaqué aussi un peu sur cette histoire de taille de formation, et là je suis aussi d'accord avec François, les plaies à la base sont extrêmement mutilantes pour la plante. Il faut faire super gaffe sur la manière de construire la plante les premières années. Donc les plaies sont mutilantes, et ce qu'il faut surtout éviter de faire, c'est de faire une plaie sur du bois de 2 ans, comme il y a ici, faire une plaie sur du bois de 2 ans qui fait un chicot qui va se déshydrater avec les gommes et les tiles en face de la plaie du pépiniériste. Là on vient coincer la nouvelle croissance du cambium entre deux plaies. Ça c'est pas bien. Par contre, prendre celui du ici, il paraît dans le flux, ok. Bon, bah le problème qu'il y a, c'est que ça fait un cep courbe. Et donc là, bah, pour les travaux intercepts, c'est extrêmement défavorable. Nous, ce qu'on propose, et c'est rien de catastrophique, c'est tout simple, c'est simplement de partir sur le sarment le plus haut et le mieux orienté. En partant sur le sarment du plus haut, que ce soit celui-là ou celui-là, la coupe qui est en dessous n'est pas mutilante puisqu'on conserve la couronne. Et donc, quoi que l'on fasse, la nouvelle croissance va arriver à alimenter correctement le cambium sur l'intégralité du bois. On s'est mis à même d'ailleurs prendre exemple sur une personne qui s'appelle Michel Duclos, qui travaille beaucoup à Bordeaux, et qui a des très très bonnes idées sur la manière de penser la taille de formation. Et après, bon, on est d'accord, on est un peu moins d'accord sur d'autres pratiques, mais on vient se nourrir les uns les autres, et c'est ça qui est intéressant. Et donc Michel Duclos, il nous dit, oh, mais moi maintenant je supprime directement les coursons dès la plantation. Et donc ben, ça c'est très intéressant, et nous on a copié cette chose-là.
ça, et on le propose aujourd'hui, de ne partir que sur un seul serment, un seul pampre, puisque la plupart du temps, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur vos jeunes plants, c'est même pas les serments du petit courson laissés par le pépiniériste qui sont les plus beaux, c'est souvent les serments issus d'un pampre. Donc en fait, là, on va s'amuser, on va laisser uniquement le serment issu d'un pampre pour faire en sorte que dans l'année, la plaie puisse être recouverte et qu'on ait un cep le plus droit possible. En tout cas, on fait ça, nous, déjà depuis 7 ou 8 ans. Il y a des viticulteurs qui le faisaient déjà bien avant nous et on en a discuté. Non, il n'y a pas de problème de durabilité à cet endroit-là si on fait ça de cette façon-là. Ce qu'il faut éviter, c'est les plaies de bois de 2 ans qui sont opposées les unes aux autres à la base des chicots et surtout, là où il faut faire très attention, c'est que tous les chicots que vous faites sur les jeunes plantes, il faut les recouper. Parce qu'en fait, si vous ne coupez pas les parties mortes à la base du vivant, forcément, vous allez créer des zones de compression, de nécrose, qui sont défavorables. Non seulement parce qu'il y a une entrée de champignons, mais aussi simplement parce qu'il y a simplement des strangulations à la base des porte-greffes, à la base de la greffe, quoi. Donc ça, il faut faire super gaffe. Regardez strictement la base de vos sarments. Alors, cette histoire d'allongement. Bon, ben l'allongement, vous comprenez, c'est sine qua non, quoi. Une plante comme la vigne, c'est une liane, elle fait quoi? Elle explore et puis elle rajoute une couche de bois. Donc elle s'allonge et elle grossit de façon sine qua non tous les ans. On n'est pas libéral sur l'allongement. L'idée, c'est pas de dire on va allonger le plus possible, sinon on ferait du Trenzado de Tenerife, quoi. Non, non, c'est pas l'idée. Là, l'idée, c'est d'essayer de construire un système qui va permettre de limiter au maximum l'allongement tout en le tolérant. Accepter l'allongement, c'est aussi d'imiter l'allongement. Mais pour limiter l'allongement, il faut aussi l'accepter. Donc c'est un peu les deux. Et vous allez voir que c'est compliqué de toute façon de faire mieux que ce que la plante est capable de proposer, puisque l'orientation des bourgeons n'est pas tout le temps similaire tous les ans. Et c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que cette manière de voir, de Poussard, de toujours mettre le courson sous la baguette et de toujours avoir cette manière et cette lecture-là de faire, elle est très difficile à appliquer, puisqu'en fait, les bourgeons ne sont jamais orientés correctement. Bon, on a un problème avec l'allongement, c'est qu'on a un seul plan de palissage et des ceps qui s'allongent dans deux sens. Donc on va voir ça, on va discuter de ça. Ça, c'est fondamental. Il va falloir peut-être penser l'allongement en réformant les architectures. Alors, cette rotation des plans phyllotaxiques et cette orientation, je la montre ici parce que ça, c'est le même cep, le même cépage plutôt, c'est de la roussanne. Et sur ces trois ceps-là, en fait, sur ces trois exemples-là, on s'aperçoit qu'on peut à la fois monter droit et à la fois monter en spirale. Et donc, je développe ça dans des vidéos que vous pouvez aller voir. J'ai expliqué ça de la façon la plus claire que j'ai pu, parce que c'est très difficile. Mais il y a une rotation des plans phyllotaxiques qui est liée à une capacité d'adaptation qu'a la vigne, qui est calculée et qui se calcule de façon mathématique en prenant le nombre d'or comme référence. C'est pas du tout spirituel comme manière de voir les choses, c'est tout à fait réel et c'est quelque chose qui régit la manière dont est construit notre système universel. Donc en fait, la plante s'est adaptée à ça et l'orientation des rameaux, en gros, pivote tous les ans de 45 degrés. Et donc, si elle pivote de 45 degrés, elle pivote à la fois dans un sens et à la fois dans l'autre en fonction du rang des bourgeons. Et ça complique sacrément l'orientation des bourgeons d'une année sur l'autre. Donc on va se retrouver avec des manières de fonctionner qui sont particulières. Vous voyez par exemple à gauche, c'est un guyot de merlot sur lequel on a pris toujours le premier œil franc pour être sûr d'avoir le courson avant la baguette. Premier œil franc, premier œil franc, premier œil franc, premier œil franc. Et là, on continue avec le premier œil franc et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on monte en spirale. Et donc on ne peut pas prendre le premier œil franc. C'est-à-dire que là, on est obligé d'aller chercher le second œil franc maintenant pour pouvoir aller plus droit. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs sur le cep de droite où on va s'apercevoir qu'en fait on fait un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, en prenant le second œil tous les ans. En fait, on change l'orientation et on arrive à aller droit dans le sens du palissage. Et en fait, pour aller droit, on va être obligé, bon an mal an, de ne pas prendre tout le temps le premier œil franc. Si on prend tout le temps le premier œil franc, on va mécaniquement monter en spirale. Donc à partir de ce moment-là, si on prend le second œil franc pour allonger ou éventuellement, pourquoi pas, un bourillon, parce qu'il est dans l'axe du rang et que ce que l'on veut, c'est construire des ceps dans l'axe du rang, on va se mettre à produire des ceps qui sont droits dans le palissage. Et produire des ceps droits, c'est une gageure et c'est vraiment intéressant. Focalisez-vous plus sur l'orientation des yeux que sur l'orientation de vos propres sarments d'ailleurs, puisque la plupart du temps, quand les sarments sont mal orientés, leurs yeux sont bien orientés dans le plan de palissage. C'est quasiment systématique, vu qu'on conduit sur un plan de palissage.
Le problème que l'on a avec l'allongement, c'est qu'au bout d'un moment, ça s'allonge et les baguettes s'entassent les unes sur les autres. Donc ça, c'est les guyots médocains qui ont été allongés, 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 allongés. D'ailleurs, dans le Médoc, si vous circulez dans le Médoc, les plus vieilles parcelles, ce sont toutes les parcelles allongées. Il y a des parcelles où les ceps sont carrément croisés, hein. Les ceps s'allongent tellement qu'ils sont croisés. Et le cep de gauche fructifie à droite et le cep de droite fructifie à gauche. C'est parfaitement fonctionnel et on peut arriver à conduire ça pendant très longtemps. Il y a un moment où il y a un problème, c'est que il y a un entassement de végétation. Suivi d'une fenêtre et que là, en termes de surface foliaire exposée, ben, on a une grosse, grosse perte et ça, c'est vraiment dommage en termes de bilan énergétique pour la plante. Avoir un seul plan de palissage et avoir des ceps qui s'allongent dans deux sens, pour moi, c'est pas vraiment une bonne idée. Et j'ai mis du temps à comprendre ça. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à proposer des systèmes unidirectionnels. Le système unidirectionnel, c'est simplement comme si le guyot n'avait qu'un bras. En fait, quand on a un guyot avec deux bras, on a deux fois un bras. Donc, François qui nous parle de la mortalité d'un côté du flux, en fait, on a deux fois la mortalité d'un côté du flux en taille poussard. Il faut bien imaginer qu'on a deux fois l'impact des plaies de taille sur le côté opposé à la partie qui est non mutilée, où il n'y a pas de plaie de taille. Donc, en fait, si je verticalise un bras de poussard, je m'aperçois qu'il y a un flux qui a été abandonné exactement de la même manière que si c'était vertical. Donc, c'est pour ça que je dis que cette manière de voir les flux de sève, c'est une vision de l'esprit. Pas que fondamentalement François ait tort sur sa manière de le voir, mais il a tort sur sa manière de l'expliquer. C'est-à-dire que on en vient à penser que ça ne circule que par-dessous. J'ai vu des viticulteurs faire des coursons sur des cordons sur le dessous du bras pour être sûr d'être dans le flux de sève. Mais non, il n'y a pas besoin de faire ça. Les flux se construisent en fonction de l'endroit qui les alimente. Donc en fait, on se retrouve avec des problématiques avec ça. Donc là, les solutions, c'est quoi? Bah, c'est essayer de penser unilatéral ou unidirectionnel. Si tous nos ceps s'allongent dans le même sens, comme il le montre en Suisse, bah, on n'a pas de problème pour plier nos baguettes. Et ça, c'est ce qui est le plus important, parce que ce qui est important, c'est d'avoir une belle surface foliaire exposée, d'adapter la charge et la vigueur. Ça, c'est fondamental pour arriver à avoir des plantes équilibrées qui arrivent à être suffisamment fortes pour construire une belle nouvelle couche de bois qui contient des cellules vivantes, qui contiennent des métabolites qui lui permettent de rester étanches, qui lui permettent de maturer le raisin, qui lui permettent de faire en sorte d'avoir un équilibre dans les mous. Ben voilà, tout ça c'est très important. Donc on a essayé d'imaginer des systèmes unidirectionnels parce qu'on avait des problèmes avec ce système bidirectionnel. Croiser, c'est une solution. Puis on s'est mis à plier tout le monde dans le même sens sur les tailles médocaines, c'est par exemple une autre solution. Vous voyez, là on a à la fois plié tout le monde dans le même sens et on a monté pour accepter l'enherbement. Donc c'est bon, c'est un essai très particulier. Et quand François dit attention à ce que vous faites par rapport à l'allongement, bah, je le suis tout à fait. Si vous devez construire des systèmes vraiment basés sur l'allongement, comme d'ailleurs un de nos collègues le propose, hein, il y a un collègue qui s'appelle David Lapanzac, là, qui propose des magnifiques écorçages. Et qui fait un superbe de travail à essayer de trouver de nouveaux paradigmes de taille. Ne confondez pas un nouveau paradigme de taille avec quelque chose que vous devez absolument appliquer sur tous vos vignobles. Le nouveau paradigme, il faut d'abord bien sûr l'expérimenter, le valider, le regarder. Nous, ce qu'on propose Architectes du Dieu Vivant, c'est avant tout d'adapter les types de taille, de maîtriser l'allongement et de faire en sorte que cet allongement soit accepté sur l'intégralité des ceps pour que tous les ceps ils aient la même forme, la même architecture pour faciliter le système de pliage des sarments. Ça, c'est le pliage des sarments, mais surtout la répartition des serments sur l'espace pour avoir une belle surface foliaire exposée, une bonne prophylaxie. Donc en fait, les architectures, on les veut homogènes. Et pour qu'elles soient homogènes, il faut les imaginer, à notre avis, unidirectionnelles. Parce que si on ne commence pas à imaginer des systèmes unidirectionnels avec tous les ceps qui s'allongent dans le même sens, en fait, on a toujours des gènes pour arriver à plier les baguettes. On va avoir des gènes pour ranger les serments sur le système. Et si on décide de réduire de façon aléatoire tous les ceps qui nous proposent des pampres qui nous permettent de réduire, non seulement cette réduction, quelle que soit la manière dont elle soit réalisée, sera mutilante pour le bois à l'intérieur et permettra à des champignons qui peuvent devenir pathogènes de poser problème. Mais en plus de ça, en fait, ça va créer de l'hétérogénéité. On retrouve dans les parcelles des bois, des ceps avec des bras courts, des ceps avec un bras court et un bras long, ou des ceps avec deux bras longs. Bah, c'est hyper pénible pour arriver à gérer le positionnement des sarments sur l'espace disponible.
Et donc, bah, ce qui se passe, c'est que bah, on réduit de façon aléatoire et puis on commence à avoir des mortalités. C'est la catastrophe. Sur toutes les vieilles parcelles que l'on croise un peu partout en France, les vieilles parcelles sont des parcelles qui sont en très grande majorité très allongées. Je connais pas de très vieilles parcelles avec des ceps très courts. C'est presque, bah, j'aurais tendance à dire impossible, en fait. Donc, effectivement, l'allongement pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Alors, on doit pas avoir peur de l'allongement, mais il faut le bien sûr le gérer, faire en sorte que ben on ait tous nos serments disposés correctement sur le plan de palissage, mais on ne doit pas avoir peur de l'allongement parce que l'allongement n'est pas un problème physiologique en tout cas. Ça va pas faire mourir nos plantes. Cette couloura à Santorin, elle a peut-être 80 ans et 80 ans d'allongement permanent. Si on la déplie, elle fait 30 mètres. On n'a pas de problème d'allongement. Les Transado à Tenerife, ce n'est que de l'allongement. Ça ressemble tout à fait d'ailleurs à la taille Chablis, sauf que c'est une taille Chablis sur laquelle on n'enlèverait jamais les charpentes. Mais cet allongement permanent, allongement sur allongement sur allongement sur allongement, c'est extrêmement vertueux pour la plante. On le voit, ça pose pas de problème. Simplement, bah, on va pas appliquer ça partout. On est dans un système culturel français qui nous l'empêche. Mais comprenez qu'en voyant ça, on comprend beaucoup de choses sur qui est cette plante liane qu'est la vigne. On comprend beaucoup de choses quand on regarde ben, les pergolas qu'on peut retrouver. Oui, ben, forcément, là, les fûts de sève, on se demande où ils passent et on se demande qui alimente quoi et comment quoi. Il n'y a pas de sectorialisation à cet endroit-là. Et plus le tronc est long, plus on peut penser qu'il joue le rôle de mélangeur. Et là, on se retrouve avec cette taille Chablis, qui est une taille extraordinaire, sur lequel enfin, on a un cep qui a bouché l'intégralité d'une piquetée. Alors, c'est toujours très drôle de voir ça, parce qu'en fait, finalement, on a la même chose que le Transado de Tenerife. Et puis, quand on écorce cette plante-là, comme on a accepté l'allongement, ben, l'intégralité du cambium est vivant. Simplement, là, les champenois, ils ont juste à se préoccuper de la manière dont ils vont enlever leurs anciennes charpentes, parce que à l'enlèvement des charpentes, il faut vraiment réfléchir l'alimentation du cambium. C'est ce qui a été fait d'ailleurs à peu près sur cette plante-là. Donc voilà, c'est très intéressant. Et ça, c'est un gobelet dans le Minervois qui a 80 ans de taille en allongement et qui est hyper productif, hyper beau, hyper dynamique, résilient, qui demande plus du tout d'intrants, juste quelques traitements pour l'oïdium. Et donc, c'est vraiment hyper intéressant de voir ça. Plus la plante vieillit et plus elle est allongée, plus elle est forte et structurée. Ce gobelet de Cinsault nous le montre bien. Bon voilà, je vais en rester là. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais je voudrais apaiser cette histoire-là, de dire que l'allongement, c'est quelque chose qui va pouvoir mettre à mal la durée de vie de vos vignes et poser problème à l'héritage de vos enfants. C'est un peu dur à entendre, quoi, puisque en fait, tout ce que l'on construit, c'est justement pour faire en sorte que vos vignes soient plus productives, plus résilientes et plus belles. Donc je ne veux pas opposer les discours et je trouve que on a besoin de progresser. On a un problème, c'est que il n'y a pas assez de recherche fondamentale. Et là, je dois dire que nous ne sommes pas un organisme de recherche, architecte du vivant, nous sommes des transmetteurs et nous prenons les données scientifiques que nous trouvons dans les publications et dans les ouvrages. Nous prenons appui dessus systématiquement, mais certaines fois, on ne trouve pas ce dont nous avons besoin. Et comme on ne trouve pas ce dont nous avons besoin, notamment vraiment la réelle impact des plaies, de faire vraiment une vraie étude sur ce qu'est la compartimentation et d'arriver à le modéliser cépage par cépage, c'est absolument indispensable pour faire progresser les systèmes de pratique, pour faire progresser la résilience et la résistance des plantes à des problèmes climatiques. Donc, nous, notre compétence s'arrête à la transmission de ces données. Et quand il nous manque des données, eh ben, on essaie d'aller plus loin et on essaie d'aller comprendre de façon empirique. Et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on continuera à faire et c'est ce qu'on continue à vous proposer. Il y a certains endroits où on a des doutes, où on est dans le flou et on essaie de pas trop vous les proposer. On essaie de faire en sorte de garder du conditionnel. Alors certaines fois, peut-être on s'emporte un petit peu parce que ben, il faut rester un peu concis. Vous voyez, je mets une heure à répondre à François qui a posé des questions pendant une demi-heure et j'ai fait très vite et je réponds pas vraiment correctement à toutes les questions. Donc ben, si vous avez vraiment des doutes encore et si vous vous demandez comment faire pour mieux comprendre ce que l'on raconte, à la fois venez en formation ou posez-nous des questions ou en fait ben, continuez à regarder nos publications.
publication parce qu'on va continuer à faire du libre de droit et à proposer cette libération du savoir pour que vous, viticulteurs, vous ayez envie de bien faire et que vous ayez les outils pour faire vos propres choix. Parce que c'est pas à nous de décider comment vous allez tailler. Simplement, on veut vous montrer que si on se met à bien tailler, et d'ailleurs là c'est tout à fait conventionnel comme taille, on a des cambiums qui sont parfaitement vivants et donc des flux de sève qui peuvent être parfaitement fonctionnels à 360 degrés. Donc ça c'est ce qu'on a observé, c'est pas ce que je pensais au départ et j'ai vraiment évolué dans ma pratique et d'ailleurs je continue à évoluer notamment parce qu'on est 12 ou 13 architectes du vivant à essayer de faire ce travail-là, dont David Laépanzac qui certaines fois oui fait un petit peu peur parce qu'il nous montre des choses avec des allongements vraiment très important. Bien sûr que là, ce que vous propose David, c'est de l'expérimentation et ça doit être placé comme de l'expérimentation et non pas comme un outil à appliquer partout. Soyez vigilants et nous serons d'ailleurs peut-être encore un peu plus vigilants nous-mêmes sur la manière dont on va présenter les contextes dans lesquels on parle des choses. Donc attention, venez juste vous nourrir et ne vous faites pas d'idées préconçues. Si vous voulez progresser, venez en formation, venez faire la formation initiale, venez revenir faire la formation approfondissement, posez-nous des questions, on est là pour vous, on est là pour vous aider. Bon, merci d'avoir tenu jusque-là. Si vous avez tenu jusque-là, je me devais de faire cette réponse. Et ce que j'espère, c'est que elle va permettre à François d'avoir les réponses qu'il attendait et d'éveiller sa curiosité sur notre manière de regarder la plante plutôt que son inquiétude, que je trouve un peu dommage, quoi, voilà. Merci, merci du fond du cœur de nous suivre et à très bientôt. À très bientôt. Salut à tout le monde.